Je vais faire à manger. Ça va? Ça va et toi? Bien. Françoise a démissionné. Ça nous laisse un petit peu de temps pour en profiter. L'été dernier, on est parti à Marrakech dans un camp de vacances. Les gens sont formidables. Qu'est-ce que t'es venu faire là? Tu viens pour rejouer, c'est ça? Quand t'es parti, ça a été dur pour beaucoup de gens, crois-moi. Mais... Mon Dieu, les gars! Oh, putain! On se bouge un peu, là! Hé, hey, on n'est pas chez les poussins! On y va, là! On se secoue! Allez, 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 allez! Bon, hé! Hey, ça suffit! On arrête, là! Ok, rentrez chez vous, c'est bon pour aujourd'hui! Allez, tout le monde sous la douche! Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, coach. Ça me fait mal au cœur de te dire ça, mais... Pour toi, c'est fini, toutes ces conneries. Bien sûr, je peux te prendre chez les seniors, mais bon, ils ont pas le niveau, tu vas te faire chier. Merci, merci, c'est gentil. C'est fini pour moi, le foot. Grandi, petit. Ciao. Salut, mec. Salut.
Ciao. Allez, ciao, mec. Salut. Ça va? Bien. Salut, Fabio. Ça va bien. Et toi, le retour? Bof. Je suis sorti hier. Maman est venue me chercher. Je suis content de te voir. Merci. Ça me fait vraiment plaisir. Il Fabiano. Tu sais ce que Céline devient? Tu devrais pas t'intéresser à tout ça. Fabien, s'il te plaît, essaie de te mettre à ma place. Qu'est-ce que je te dise? Je sais pas, dis-moi ce qu'elle fait, où je peux la trouver. Je sais pas. Tu sais pas? Je sais pas. Tu sais pas où est Céline? Tu vois plus Céline? Non, je ne vois plus Céline. Tu n'es plus pote avec Céline? Je ne suis plus pote avec Céline. De ma gueule. Je te parle. Non. T'as son numéro, moi. J'ai pas son numéro. T'as pas son numéro. J'ai pas son numéro. Qu'est-ce que tu me touches pas? T'as pas son numéro. T'as pas son numéro. Tu te fous de ma gueule. Pourquoi tu fais ça, Fabien? Je comprends pas, tu crois qu'elle a raison, c'est ça? J'en sais rien. T'en sais rien? Après 6 ans, t'es revenu juste pour Céline? Tu les as fait les 6 ans, toi? T'es pas venu me voir en 6 ans? Merci quand même. Ça va? Ouais. Et toi? Ça va. Hein? Tu deviens quoi? Je travaille dans un salon de coiffure. Dans un salon de coiffure? Ça te plaît? Ouais, c'est cool. Et toi, tu fais quoi? Moi, je fais quoi? Bah, je sais pas, j'ai passé 6 heures en tôle, ça te dit quelque chose? J'ai été accusé de viol, ça te rappelle quelque chose? Je te parle. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je sais pas pourquoi... Pourquoi tu m'as accusé de viol? Pourquoi j'ai passé 6 ans... En tôle à cause de toi? Pourquoi? Y'a rien à dire. Y'a rien à dire? Y'a rien à dire! Céline, je veux juste comprendre pourquoi, comment c'est possible que la fille que j'aime m'accuse de viol et que je passe 6 ans en prison et que j'ai pas de nouvelles d'elle. Jamais, rien. Tu m'expliques?
que je passe 6 ans en tôle, attendre chaque jour que peut-être tu m'appelles, peut-être tu viens me voir, peut-être tu m'écrives, je sais pas. Je veux juste tu me touches pas. Est-ce que je t'ai violé? Réponds juste à cette question. Est-ce que je t'ai violé? Dis-moi, parce que vraiment, je me suis posé la question. C'était compliqué. Souviens-toi, t'en avais plus rien à faire de moi. Il y avait que le foot et les copains qui comptaient pour toi. C'était compliqué, notre relation, à un moment. Tu me désirais plus. T'es en train de me dire que j'ai fait 6 heures en tôle parce que j'aimais trop le foot? C'est ça ton explication, Céline? Vraiment? Tu te fous de ma gueule? Mais va les faire, toi, les 6 ans de tôle, putain! Va passer 6 ans enfermé avec des nouvelles de personne! Attends juste de savoir pourquoi la fille que j'aime, elle m'accusait de viol! Vas-y, toi! C'est pas simple! Ok. Déshabille-toi. Je t'ai violé. Ça va pas? Je viens de faire 6 ans de prison parce que je t'ai violé. Je m'en souviens pas. Je suis désolé. Déshabille-toi. Déshabille-toi! Déshabille-toi! Arrête! Arrête. 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 Arrête.